Au retour de notre émission spéciale foot consacrée aux filles, aux femmes, si vous voulez. C'est la CAN 2016, donc du côté du Cameroun à Yaoundé et à Limbé. Avec nous sur ce plateau, je vous rappelle qu'il y a M. Nana Payong, qui est un expert en marketing et en communication, et que nous allons retrouver tout à l'heure. Et puis, bien sûr, notre confrère de Stade Afrique, c'est M. Koussa Jean-Marie. Sans oublier, donc, Gaël Onana, qui est avec nous pour la partie web. Gaël, que je salue et que nous allons retrouver, tiens, juste après ceci. Alors Gaël, comment évoluent les choses, justement? Alors, nous avons reçu plusieurs réactions au cours de la pause publicitaire. Donc, je vais revenir sur quelques-unes d'entre elles. Avant, laissez-moi rappeler donc la question du jour qui est: qu'avez-vous pensé du niveau de jeu des équipes au cours de cette deuxième journée de compétition dans la poule B? Donc, on a justement Precious Semavo qui nous a dit: la force de l'équipe ghanéenne tout au long de ce match a été, selon moi, sa capacité à bien construire son jeu de défense, empêchant ainsi le Nigeria de prendre l'avantage. Tani Théo, quant à lui, a dit « Le match Nigeria-Ghana nous a offert le plus beau spectacle de la compétition. Un match à la fois intense, agressif, physique et technique qui a été très plaisant à voir pour les supporters. » Ce sont de bons observateurs quand même. Hein? Ah oui, de très très bons observateurs. Voilà. L'occasion pour moi de leur dire que maintenant nous allons passer à la partie sur l'impact économique et social. Et s'ils ont envie d'envoyer leurs questions, leurs commentaires et leurs réactions également là-dessus, ils peuvent nous faire parvenir ça via les canaux habituels. Toujours à la même adresse. Merci Gaël. Et justement, eh bien, nous allons parler maintenant de l'affiche du jour. Cette affiche du jour, allez-y. Alors tout à l'heure, bien sûr, nous reviendrons sur cette véritable affiche du jour, mais dans cette rubrique, nous vous proposons un sujet sur la vie économique et sociale de cette CAN. Sujet réalisé par qui? Devinez, eh bien c'est Gaël Onana. Le Cameroun accueille pour la première fois du 19 novembre au 3 décembre la grande fête africaine de football féminin. Un événement majeur qui se veut en réalité être une grande répétition pour la CAN masculine qui devrait se tenir au Cameroun en 2019. La Coupe d'Afrique des Nations est pour le Cameroun une véritable occasion de booster les secteurs du BTP et des services. Au sein du village de la CAN de Yaoundé, les commerçants et les supporters sont satisfaits des retombées économiques à ce stade de l'événement. Ça apporte beaucoup de développement. Voilà, il y a déjà le volet économique. Ouais, ça va faire tourner l'économie du pays. On doit vendre l'image de marque du pays. Vous-même, vous voyez comment c'est beau et amélioré et tout. Et puis, on a les infrastructures comme l'amélioration des stades. Le football maintenant, comme il y a la CAN, là, ça fait en sorte que le Cameroun vit. Dans le plan sportif, d'abord, le Cameroun sort à gaillardi avec beaucoup d'infrastructures sportives. Afin de pouvoir accueillir les supporters et les équipes dans les meilleures conditions, plusieurs travaux de rénovation ont été opérés. Tout d'abord au niveau des infrastructures sportives. En effet, afin d'abriter cette compétition, le Cameroun s'est doté d'un stade flambant neuf à Limbé. Le stade omnisport de Yaoundé, l'antre du football camerounais, a été complètement rénové, sans compter les nombreuses aires d'entraînement créées ou réhabilitées. Au palais des sports de Yaoundé, où se trouve le village de la CAN, les équipes œuvrent au quotidien pour offrir le meilleur service aux visiteurs. Être présent, assidu et être prêt à tout. Les troupes sont, le moral est au beau fixe. On a pris des bénévoles pour compléter en fait l'effectif du personnel entretien recruté au palais des sports. Du côté de Limbé pourtant, l'enthousiasme est beaucoup moins grand. Les travaux de rénovation et d'aménagement de la ville sont venus perturber l'activité économique des petits commerçants. D'autant plus que, pour les habitants, l'effervescence liée à la compétition n'est pas vraiment au rendez-vous. J'ai déjà fait plus de 15 ans dans cette ville. Bon, quand on nous a parlé de CAN, on se dit que Limbé sera une ville pleine de visiteurs, pleine de... Donc l'ambiance quoi, doit changer. Bon, pendant que ça fait déjà 4... Et 3 jours, on voit que la vie quotidienne reste la même. Mais franchement, nous à Limbé, ils sont allés un peu trop parce que nous qui sommes les commerçants qui se débrouillaient et puis on essayait de nourrir nos petites familles avec, voilà que leur développement est venu et puis ils nous ont cassé sans avoir d'endroit fixe. Je vois que bon, ça allait un peu timide, sinon que ça se joue. Jusqu'après la CAN, l'organisation a été, on a beaucoup cassé, on a fait les casses. Ce qui a fait que bon, l'engouement au stade,
ça ne donne pas très bien. Le budget d'organisation de la CAN féminine 2016 au Cameroun s'élève à près de 5 milliards de francs CFA. À travers cette compétition, le pays espère booster son économie grâce à des secteurs tels que le tourisme ou encore le commerce. Très beau dossier de Gaël Onana. Alors, on a entendu ce jeune père de famille, justement, qui disait qu'on a cassé un rythme qu'on avait. On pouvait rapporter un peu d'argent pour la famille, mais là, ce n'est pas vraiment le cas. Alors, quel impact, justement, économique? Je pense qu'il y a une régulation qui aurait dû être faite, hein, notamment dans une ville comme Limbé. Qui est pas loin de Boya, où tous les ans on organise la coupe, l'ascension du Mont Cameroun. L'une des erreurs, me semble-t-il, c'est qu'à une heure de Limbé, il y a une grande ville qu'on appelle Douala, qui n'a pas été associée, parce qu'il n'y a pas de match à Douala. Or, c'était justement l'occasion de faire en sorte qu'on puisse drainer des gens à Limbé. Mais on ne draine pas des gens s'il n'y a rien à y faire. Donc, il aurait été intéressant d'organiser un genre de foire autour du stade, même dans la ville de Limbé, organiser certains événements, comme on appelle dans le side event, des événements périphériques, qui sont des événements alibi pour permettre justement à des commerçants comme ceux-ci de pouvoir tirer leur épingle du jeu. On n'est pas obligé de les organiser pendant toute la période de la manifestation. On peut s'en servir comme fer de lance, les organiser 3 jours avant pour permettre qu'il y ait une effervescence. Et après, chacun des commerçants prendrait le pool et choisirait de faire ce qu'il a à faire. Je pense que sur le plan économique, c'est quelque chose de très intéressant. Avec ce bémol que dans nos pays pauvres, il faut le dire, hein, on ne peut pas calquer la question au même rang que ceux des pays développés. Nous ne fabriquons pas des produits qu'on installe dans les stades, les téléviseurs, les sièges même dans les stades, tout ça est importé. Donc on ne peut pas compter sur ces investissements pour relancer l'économie. Au contraire, sur la balance du commerce extérieur. Mais il y a d'autres ressources. Mais voilà, et il faut donc jouer sur ce que nous appelons le payback. Quand on a organisé une CAN, qu'est-ce qui se passe après ? Sur le plan social, il y a des infrastructures, il y a des hôpitaux, etc. Mais sur le plan économique, comment on fait en sorte que la roue continue de tourner après l'événement? Parce que même dans les pays occidentaux, la question se pose en ces termes-là, parce qu'il y a un gros emploi temporaire pendant l'événement, notamment dans le service. On recrute des jeunes pour servir dans les bars, dans les restaurants, comme c'est le cas, par exemple, tout à l'heure dans l'excellent reportage de votre consoeur. Mais il faut réfléchir sur comment est-ce que on peut faire en sorte qu'on tire profit de l'événement, que l'événement serve de catalyseur. Oui, prends l'exemple du tourisme. Oui, d'accord. Alors, je voudrais juste vous... C'est en quelque sorte un conseil que vous donnez aussi aux autorités en même temps. Oui. Nana Payong, parce qu'en 2019, il ne faut pas oublier que le Cameroun organisera la Coupe... la CAN. Alors, je vous ai interrompu. Continuez. D'accord. Et justement, Gaël Onana l'a dit dans son reportage, hein, que ça servait aujourd'hui, même si les femmes n'aiment pas ça, mais c'est la réalité, hein, que la CAN féminine sert de répétition générale. Et franchement, c'est une très, très bonne chose. Ça permettra à la fin de faire une évaluation. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quels sont les points sur lesquels il faut faire des efforts? Et les points sur lesquels il faut faire des efforts, c'est la réflexion stratégique et mettre en place ce qu'on appelle le cadre de référence, de référence fondamentale. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que quel est le modèle économique? Je prends l'exemple des bus. On a tellement parlé des bus. Nous ne sommes pas fabricants de bus. On va aller importer des bus pour venir les louer à la COCAN. Or, nous avons des agences qui utilisent des bus tous les jours. Le gouvernement se bat pour que ces agences-là utilisent des bus neufs. Sachant que nous organisons la CAN féminine en novembre-décembre, on aurait pu leur dire un an avant, « Eh bien, messieurs, nous aurons besoin de 300 bus. Nous allons vous les louer. Et il faut absolument, dans le casting, que vous nous apportiez des bus neufs. Ça nous permettra, nous, de voir que vous avez fait des efforts. On peut même demander que l'État les soutienne sur le plan fiscal. Ils peuvent être pendant 3 mois exonérés des taxes et tout ça. » L'avantage, ce serait que, on aurait, par la force des choses, des bus neufs
parce qu'ils ont investi pour l'occasion. L'avantage aussi, ce serait qu'on pourrait les inciter, parce que vous avez dû remarquer, il n'y a pas beaucoup de sponsors, pour ne pas dire du tout de sponsors autour des stades. Pas d'annonceurs, pas de sponsors. Et donc, on aurait pu dire entreprise citoyenne. Les annonceurs qui existent, ce sont les annonceurs de la CAF. Tout à fait. Oui. Mais voyez-vous, le seul, il n'y a qu'une boisson, une eau minérale dont on voit la publicité autour du stade. Quand on sait qu'aujourd'hui, au Cameroun, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui sont malheureuses de ne pas pouvoir participer. Alors, on vous retrouve tout à l'heure pour la suite, car il faut aussi donner la parole à Jean-Marie Koussa. Mais avant Jean-Marie, nous allons retrouver Gaëlle Onana, parce que Gaëlle, ça s'anime auprès des internautes. Hein. Oui, tout à fait, justement, suite à l'intervention de notre invité, on a Tani Théo qui a réagi et qui nous demande finalement qu'est-ce qui est important dans une telle compétition comme la CAN féminine. On a eu aujourd'hui une des rencontres choc de cette CAN féminine qui était Nigeria-Ghana, mais les stades de Limbé étaient vides. Donc finalement, qu'est-ce qui est intéressant? Est-ce que c'est tout le folklore qu'il y a autour ou c'est vraiment la compétition et le jeu? Oui, alors Jean-Marie, vous allez répondre d'abord et ensuite M. Nana Payong va répondre à, la question, alors, à cette question de téléspectateur. Je dirais à ce téléspectateur que tout est important. Il y a évidemment la qualité du jeu, mais pour la Confédération africaine de football, qui comme la FIFA veut faire du football féminin un football au même niveau, au même pied d'égalité que le football masculin, il est important qu'il y ait justement une mobilisation populaire, un engouement exceptionnel. Et c'est en cela que je suis entièrement d'accord avec Ferdinand Nana Payong lorsqu'il parle du fait qu'on n'a pas associé la grande métropole économique qui est juste à 75 km de Limbé, Douala, aux manifestations qui se sont déroulées à Limbé. Alors, est-ce que le gouvernement n'a pas voulu peut-être aussi donner un gros coup de projecteur à Limbé particulièrement, parce que Douala est déjà suffisamment connu, je ne sais pas. Douala est suffisamment connu, c'est sûr, mais imaginez le nombre de ressortissants du Nigeria, par exemple, que vous retrouvez à Douala, du Ghana, que vous pouvez retrouver à Douala, du Kenya et même du Mali. Je pense que ça aurait contribué à gagner davantage les tribunes qui sont malheureusement restées désespérément vides. Je pense qu'il est difficile, même pour les compétitions du côté de l'Europe, de mettre sur pied un modèle économique qui puisse permettre de viabiliser, de rentabiliser sur le plan économique, justement, après une compétition comme celle que nous abritons. Mais il est important pour les politiques de s'asseoir et de réfléchir. Pour la CAN 2019, nous allons construire un stade, enfin un complexe sportif à Olembe de 50 000 places. Il y aura, en plus des terrains de basketball, de volleyball, il y aura un grand hôtel de ce côté-là. Lorsque la CAN sera passée, comment on fait pour rentrer dans nos fonds? Ça aussi, c'est une question. Et justement, Nana Payong, vous êtes spécialiste en marketing avec ce stade de 50 000 places. Que va-t-on faire après? Et quel conseil donnez-vous? Et j'espère bien qu'on fera appel à vous. Si j'ai du temps, je rebondirai sur la question du Nigeria, du Ghana et du Mali aussi, qui ont une grande communauté à Douala et pour lesquelles je pense qu'on aurait pu mettre un schéma très simple et qui aurait bien marché. Effectivement, aujourd'hui, 80% d'infrastructures sportives ne gagnent pas d'argent grâce au sport. Le Stade de France, Madison Square Garden, le POPB à Paris, le palais des sports de Yaoundé, 80% des infrastructures sportives ne gagnent pas d'argent par le sport. 80% des activités qui apportent de l'argent aux infrastructures sportives sont des activités non sportives, des spectacles, des séminaires, des congrès, des expositions, etc. Moyennant quoi, avant d'aller construire un stade de 50 000 places à Olembe, il serait bon qu'on réfléchisse à comment est-ce que nous allons rentabiliser ça après, comme il le dit si bien. C'est simple. Il faut vérifier que les besoins que présentent les gens vont être satisfaits. Si à Olembe, on fait en sorte qu'il y ait des salles de cinéma, qu'on fait en sorte qu'il y ait des salles où on peut venir 24 heures sur 24, passer une journée. Ou bien une grande surface. Exactement, à faire des courses, etc. Il faut qu'on s'assure qu'on peut organiser des séminaires dans ces salles. Au Stade de France, vous avez des salles
dans lesquels on organise des séminaires. Si on attendait des matchs de foot pour les rentabiliser, ça ne marcherait pas. Alors, pour corroborer ce que vous dites, moi, je suis rentré au Stade de France, j'ai été impressionné par le nombre de salles qu'il y a. Absolument. C'est impressionnant. Ils ne font que ça. Et donc, évidemment, la question des infrastructures aujourd'hui, vous avez dû remarquer que la plupart des équipes de foot ne sont pas propriétaires des stades. Ce sont les communes qui investissent dans les stades, les collectivités. Le Stade de France, pour revenir à celui-là, c'est un build auprès de Transfer, qui est un consortium d'un grand groupe qui a construit. Donc l'État n'a pas sorti un franc, on revient au modèle économique, l'État n'a pas sorti un franc, mais l'État lui a cédé la concession en disant, voilà, vous construisez, vous exploitez, et pendant 50 ans ou 20 ans, ou je ne sais pas moi quoi, c'est vous qui allez gérer pour rentabiliser votre argent. Du coup, on n'a pas ponctionné dans les caisses de l'État. Pour revenir en un mot sur l'histoire... En deux mots. En un mot, oui. À Douala, il y a les plus grandes communautés africaines. Nigeria, Ghana, Mali, Kenya, j'en sais rien, mais il y en a certainement. Si chaque jour où il y a un match, on mettait des bus et on demandait aux gens de prendre ces bus gratuitement, juste après avoir présenté leur ticket de match qu'ils ont acheté pour aller à Limbé, les bus, il n'y aurait pas assez de bus. Il n'y aurait pas assez de bus. Eh bien, les gens partiraient le matin parce qu'on organiserait des trucs, des excursions et tout ça. Ils partiraient le matin et ils déjeuneraient là-bas. Chacun irait dans le restaurant, etc. Il y en a qui ne rentreraient pas parce qu'ils en profiteraient pour aller en boîte de nuit, au cabaret, etc. Donc, je pense que la question, c'est que quand il y a un comité d'organisation, il ne faut pas qu'elle soit fermée. C'est comme les médias. Si Africa 24 est fermée, ben, elle ne va pas faire d'émission. Quand vous nous faites venir, c'est pour partager avec vos auditeurs, vos téléspectateurs, ceux qui interviennent et tout. Je pense qu'il faut avoir l'humilité de demander aux gens. Et tout le monde n'est pas là forcément pour de l'argent. C'est-à-dire que moi, je serais fier qu'un ami qui se trouve au Sénégal ou dans n'importe quel pays, un collègue, et qui regarde le match de Limbé à la télé, ne s'imagine pas que je suis dans le comité d'organisation. Et donc, ne m'envoie pas un WhatsApp pour me dire « Mais c'est qu'est-ce qui se passe dans votre stade ?» Un match Ghana-Nigeria avec 1000 personnes, je ne sais pas, c'est triste. Et c'est triste pour les dames parce qu'elles ont donné un spectacle de qualité. Et comme dirait l'autre, plus il y a de fous, mieux on s'amuse, plus il y aura de spectateurs, plus le spectacle sera encore beaucoup mieux. Nadia Payong, je vous demande à titre personnel de revenir avant la fin des émissions parce que vous avez beaucoup de choses intéressantes à nous dire et je crois que ça vaut le coup. Nous allons, je vois une autre affiche du jour et cette fois-ci c'est la bonne affiche, c'est pour le groupe A, vous allez voir un tableau. Donc Cameroun, je vous rappelle, avait battu Afrique du Sud 1-0, Zimbabwe avait perdu devant l'Égypte 1-0. Donc prochain rendez-vous, c'est le vendredi 25 novembre, vous le voyez bien, avec Zimbabwe contre Cameroun et Égypte contre l'Afrique du Sud. Vous voyez le classement, donc comme moi-même, le Cameroun est donc leader. Voilà donc ce qu'il fallait noter pour cette deuxième partie d'émission. On se retrouve tout à l'heure pour la troisième et dernière partie. À tout de suite.